une saison. Voilà. Un pays tube donc de Mortal Kombat versus DC Universe. Tu peux commencer à le présenter d'ailleurs. Voilà, effectivement. Donc je vais vous présenter ce jeu sur Xbox 360. Voilà. Ce sera quel jour actuellement. Exactement. Voilà. Alors, c'est un jeu combat typique de la série Mortal Kombat, connu de tous, tu es aficionado des jeux vidéo. Voilà. Avec cette fois des personnages issus des deux comics. Deux univers, voilà. C'est ça. Ils y sont pas tous, mais voilà. Effectivement, comme Superman ou Batman, voilà, par exemple. Voilà, Et le but, c'est pas compliqué, c'est de sauver l'univers. Voilà. Bon, après je resterai un peu plus longtemps sur le scénario dans cette partie. Voilà. Tandis que dans la deuxième partie, on approfondira le gameplay en mode multijoueur avec Pierre, à côté de moi. Voilà, c'est bon. Donc, si vous ne savez pas depuis le temps. Donc, c'est développé par Midway. Non, c'est édité par Midway, pardon, le développeur étant inconnu. C'est du combat, évidemment. Du combat, alors, c'est du combat en fait, c'est plutôt un gameplay en 2D, je crois. Oui, 2D. Mais c'est de la 3D quand même. Voilà, c'est quand même de la 3D. Voilà, vous allez voir ça. Voilà. Ouais. Donc, on va commencer par le mode un joueur. Oui. Et nous voyons que dans le mode un joueur, il y a 4 autres modes. Oui. Alors, le mode d'entraînement qui nous permet de nous entraîner afin d'effectuer les différents combos, les différentes techniques. Ça permet d'apprendre le jeu, quoi. Voilà, c'est un didacticiel. Un tutoriel, ouais. Après il y a le challenge combo, en fait, ouais. On vous propose différents combos à effectuer en fait. Ouais. Il faut tous les effectuer. Ensuite c'est le challenge, le mode histoire. C'est comme l'indique le nom en fait. Oui. Le mode histoire, c'est quoi? Le mode histoire que nous allons faire maintenant en fait, c'est le mode histoire quoi. C'est avec un scénario, il y a un scénario. Vous avez deux camps à choisir, soit le camp de l'univers des DC Comics, soit le camp de Mortal Kombat. Il n'y a pas de gentil et de méchant, hein. C'est pas Mortal Kombat méchant et DC Comics méchant, c'est gentil, c'est pas ça. Okay. Après, il y a le mode arcade, le plus connu, quoi, qui était dans les Mortal Kombat d'origine. Mm-hmm. C'est le mode vous avez plusieurs adversaires à affronter. Mm-hmm. Jusqu'à arriver au boss final quoi, et vous débloquez l'épilogue du personnage avec lequel vous avez gagné le mode arcade en fait. L'épilogue en fait c'est un petit la fin de son histoire en fait, une petite fin de biographie en fait. Et il y a pour ça pour chaque personnage, pour chaque personnage, ouais. D'accord. Il y a combien de personnages d'ailleurs? Il y en a je ne sais pas compter pour tout vous dire. 20 héros et méchants de Mortal Kombat et de DC Universe. Voilà. Ah, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ils y sont pas tous. Il y a du Joker, je le vois. Voilà. Alors, on va faire le mode histoire. D'accord. Il va nous montrer le mode histoire. Voilà, alors il y a deux camps. Il y a le camp de Mortal Kombat et DC Universe. Je vais prendre DC Universe. Que voulez-vous choisir? Tu pourrais pu leur demander quand même. Hein? Ouais. Ah, DC Universe, ça va, d'accord. Allez. Alors oui, là j'ai déjà commencé une partie, donc on commence. On a déjà avancé dans le jeu là. Voilà, on a déjà avancé dans le jeu. C'est mieux. Donc il n'y a pas tellement de spoilers. En fait, je vais justement parler du scénario. En fait, bon voilà, c'est ça dépend du point de vue en fait du camp qu'on a choisi en fait. Si on choisit le camp des DC Comics, on va avoir un point de vue différent que ceux de Mortal Kombat. Ouais, logique. Ouais. Dans Mortal Kombat, ils vont croire que c'est l'univers des comics qui les envahit. Tandis que dans l'univers des DC Comics, on va croire que c'est l'univers Mortal Kombat qui les envahisse. En fait, c'est une sorte de système problème avec des portails, voilà, comme on peut voir ici. Mm-hmm. Vous allez voir apparaître Raiden, un personnage mythique de Mortal Kombat. C'est des problèmes avec des portails, ils se font, comment dire, téléporter sans le vouloir, involontairement, dans les deux différents univers. D'accord. Ça. Oui, ça va, c'est... Au moins que tu aies compris pour que les spectateurs comprennent. Également, effectivement. Je précise que ça se joue en multi à 2 en local. Voilà. Et en online aussi également à 2 avec... J'ai pas essayé le online, mais de toute façon, il va y avoir des mecs assez corps, assez ouais. Expérimentés. Mais il paraît qu'il lag un petit peu. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire, mais bon.
Le scénario après, il est très simpliste. Il y a pas de complexité, il y a rien quoi. C'est peu développé. Hein. Voilà, c'est pas profond. Il y a pas de voilà, par comme au pouvoir là, les dialogues cultes, très cultes, mais c'est toujours les mêmes. Et ce qui est frustrant, c'est justement ça. À la fin de presque chaque cinématique en fait, oui, il y a un combat. Ah. Et sachant que voilà, mais moi en fait ça, c'est pas que je suis que j'en ai un peu marre des combats, c'est que à chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, un nouveau personnage qui arrive dans une cinématique, il y a forcément un combat après pour c'est un répétitif, oui, voilà, pour un oui ou pour un non, voilà c'est assez répétitif. D'accord. C'est toujours la même structure, voilà. C'est redondant. Donc là, on peut voir le premier combat. Voilà, premier combat. Tu nous expliqueras le gameplay dans la deuxième partie, voilà, quand je jouerai avec monsieur. Voilà. Bon, il a gagné. Désolé, c'est parce que je pars en même temps, donc j'arrive pas trop. Excusez-moi. Je voulais dire encore quelques mots sur le scénario, peut-être. Oui. Enfin, un scénario qui est correct quand même, mais... Si, voilà, c'est acceptable, mais bon... Ils ont voilà, pu faire des efforts, quoi. Voilà, il n'y a pas tellement de... Surtout qu'avec la pléthore de héros qu'il y a, ils auraient pu faire des... Il y a des alliances, des machins comme ça... Oui, voilà, en fait, il y a des... Comment dire... au fur et à mesure de l'aventure, on va voir qu'il y a les gentils de Mortal Kombat qui s'allient avec les gentils de DC Comics. Ouais, voilà. Voilà, c'est prévisible. Voilà, c'est très prévisible. D'accord. Désolé, c'est très dynamique. Oui, bah, oui, c'est du Mortal Kombat, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as déjà pu jouer à d'autres Mortal Kombat ou... Non, pas si, vaguement à d'autres, mais comment dire, je suis pas un expert, donc désolé si j'en dis pas tellement, si j'ai pas trop de références. Ouais, tu peux pas comparer. Voilà. Hein. Voilà. Je vais parler donc maintenant des graphismes. Alors, c'est des graphismes très satisfaisants, vraiment. C'est vraiment très satisfaisant. Ce qui m'a aussi, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que quand on se bat, les blessures apparaissent sur le corps, il y a des blessures apparentes. Ah, est-ce que tu peux nous en montrer Peut-être qu'on verra pas ici, mais... D'accord. On voit le sang en tout cas. Oui, on voit, il y a du sang, on peut l'enlever d'ailleurs. Oh, ah, mais voilà, ça c'est très... Je vous expliquerai ça d'ailleurs. C'est pas stylé. C'est une nouveauté de ce Mortal Kombat. C'est une sorte de coup spécial, non? Non, pas du tout, une interaction avec le décor en fait. Ah, on peut interagir avec le décor. Voilà, alors j'expliquerai plus tard avec, avec Pierre. D'accord. Ah, c'est une catastrophe, j'arrive pas à jouer. Il fout des cas partout. Crank. J'ai vu ça aussi sur le boîtier du jeu. Voilà. C'est une touche mortelle comme là. Oui. Les graphismes, qu'ils soient en mouvement ou en. Ou en immobile quoi, en photo quoi, c'est toujours aussi beau, c'est vraiment beau. Ouais. Les animations ça va. Par contre les animations de par rapport au doublage français c'est horrible. Ah. C'est il y a des. Y a des on a l'habitude maintenant. Voilà, je sais pas si on aura l'occasion d'en voir. Peut-être là pour la prochaine cinématique. Les mouvements de bouche, par exemple, qui sont bien connus. T'es dans l'eau. Qui sont assez. Les dialogues aussi ils sont pas très poussés. Oui, aussi, bah, voilà. C'est pas des films. Hein. Enfin, voilà les graphismes, surtout voilà les blessures apparentes sur le corps, le visage. Qu'on peut voir aussi en close combat. C'est-à-dire le close combat, j'expliquerai un peu plus. J'apprends vous dirai plus en deuxième partie, c'est qu'en fait. Ah, là, je reconnais la forteresse. Ouais, voilà. On reconnaît des lieux. Voilà, des lieux mythiques. Voilà, pour ceux qui aiment les super-héros, ça peut. Ouais. Ah, comme vous voyez en bas de l'écran, là, il y a marqué le chapitre 3, Wonder Woman. En fait, le scénario est divisé en plusieurs chapitres, et chaque chapitre, en fait, appartient à un héros, en fait. Quand on change de héros, par exemple, le premier chapitre, c'est Flash, le deuxième chapitre, ça va être Batman. Et celui-là c'est Wonder Woman et ainsi de suite. Pareil pour Mortal Kombat. Ah d'accord, donc en tout il y a 20 chapitres. Ouais, 20 chapitres. D'accord. Il y a
choisir les personnages de chaque camp. Voilà. Je pense qu'on a tout dit en fait. Bon là, vous pouvez effectivement. Voir, voilà, vous pouvez voir les. C'est évidemment un autre combat. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a beaucoup, bah, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a beaucoup de. D'accord. Est-ce que je le vois aussi, jeu multicontrôle. C'est ça le ce combat. Là, on peut voir, on peut bien voir les. Vas-y, les blessures en fait. Bon là, on les voit pas trop, mais ouais. Parce que j'ai, je viens de commencer. Oh. Les goûts spéciaux sont assez. Ils sont assez marrants, enfin, ouais. Et bien mis en scène. Voilà. Ce qui fait le charme de tous les Mortal Kombat en fait. Ouais. Bah, en fait, on va vous laisser et on va. Oui, juste une précision, j'ai vu qu'on pouvait jouer à multiconsole. C'est quoi? Le multiconsole, c'est quoi? Oui, il faut connecter deux Xbox entre elles. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Faut connecter deux. Mais je ne sais pas où l'intérêt de jouer à deux alors que. On peut très bien jouer à deux avec une seule console, mais bon. Ouais, bon, voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Oui, mais bon. Il peut rien. Hein. Et il y a des téléchargements de contenu également, il y a des DLC. Je sais pas. Il doit y avoir des personnages à télécharger, je suppose. Je sais pas. Je sais pas. Non, non, il n'y a pas, non. Il s'est bien renseigné. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de nouveaux personnages. À part. Il y a des personnages à débloquer, par contre. C'est ça les portails. La bande son, il n'y a pas beaucoup de musique, je suppose. Si. Dans les combats, il y en a. Si, c'est de la musique. Voilà, ça, si, ça va la musique. Hein, c'est, hein, ça va. C'est satisfaisant, oui, il n'y a pas de. Bon, le doublage, t'as dit que c'était horrible. Voilà. La maniabilité, on en reviendra dans la seconde partie, mais en général, elle est très bonne. Ouais, ça va, elle est bonne. Ouais. Ça peut se. Et la durée de vie, par contre, parce que. Tu dis que... La durée de vie, oui, elle est assez bonne aussi, moi je trouve. Alors, une fois qu'on a fini l'histoire, faut le faire avec le deuxième camp. Hmm. Parce que j'ai entendu dire que le jeu n'avait pas une très bonne durée de vie. Ah oui? Oui. Ah. Mais, comment dire, une fois qu'on a fini l'histoire, on peut encore faire le mode arcade pour tous les autres personnages. Et voilà, en fait, voilà, il n'y a que ça, en fait. Ah oui, il ne fait pas beaucoup. Après, si on veut encore s'amuser, après, il faut... Disons que tu l'as payé plein pot, ton jeu. Ouais. Ah, quand même. Enfin, c'est pas moi qui voulais jeter le... Oui, on parle de vie. Je vais vous montrer vite fait le mode arcade. Mm-hmm. Ah, le Joker. Et avec Scorpion. Ouais. Hop, voilà. Le mode arcade. Mode arcade. Oui. Qui je vais prendre qui c'est que je pourrais prendre? Je vais prendre un personnage de Batman Mortal Kombat, je vais prendre tiens Sub-Zero. D'accord. Qui est connu de la, très connu de la série aussi. Oui. Là on peut choisir nos adversaires, donc je prends la toi, effectivement. Et donc et ça c'est depuis les premiers Mortal Kombat, c'est la même présentation, la même. Enfin voilà. Donc là on va voir vite fait un combat en arcade. C'est tous les mêmes en fait. Hein. C'est pareil. Il faut battre jusqu'au boss. Le boss que je précise qui est toujours le même. Ah. Voilà, quel que soit le personnage qu'on choisit, c'est toujours le même. Le boss de fin. Wow. Interaction, c'est quoi là? C'est un. Je dirai après en seconde partie. Ben, on va déjà passer en seconde partie. Voilà, on va. Vas-tu pouvoir le mettre avant ou. Oh merde. Ah. Ah. C'est moi qui en prends plein la poire là. Ah. Je vais le. Le build validé. Allez, plus que ça. Attendez, un truc qui est marrant, assez marrant. Ça j'adore. Hein. Ah. Tant pis, ça marche pas. Voilà. Voilà. Allez, deuxième part. Voilà, on va passer de suite à la seconde partie. Voilà. Ciao. Ciao.